Oui, bonsoir tout le monde. Moi, estime que l'activité ERA, la journée du livre, qui fait chaque année, c'est une activité culturelle hors pair, non seulement dans la ville de Port-de-Paix, particulièrement, mais dans tout le département nord-ouest. Pour moi-même, c'est une activité que toute société a focalisé l'idée, l'esprit, l'âme, sous le lit, et surtout les jeunes. Pour moi-même, c'est une activité prospective. Prospective dans le sens que chaque année, il est capable de gagner plus d'ampleur. Et moi, je pense que surtout les jeunes, sont capables de rejoindre là-dedans parce que le livre, c'est un bagage qui est très intéressant. C'est un patrimoine immatériel. Côté nous-mêmes, nous sommes capables de arriver et mettre sur nous là-dedans. Et les petits mouns appelés, ça capable de porter à transformer le milieu. Il y a un département dans le département nord-ouest, il y a une ville dans le Port de Paix. La lecture des jeunes est importante. Les hauts prennent temps pour lire. Ou bien en pile chance, ou bien prendre en pile bagaille et capable de transformer le milieu. Moi, je pense que il y a un peu de monde dans la ville, il y a un peu de monde dans le département nord-ouest. Le département, ça, c'est un département qui est plus côte maritime. Nous sommes capables de faire un pile de bagaille là-dedans à travers l'événement ça, côté la journée du livre. Je vais venir là. Moi, je vais vous veiller. Pour le veiller pour l'autre édition. Pour être capable de vivre, pour ne pas rater l'événement ça. Et moi, je tout le monde, tout enseignant. Tout enseignant, élève, aspirant enseignant, étudiant, pour venir, si vous n'êtes pas déterminé, pour l'année prochaine la fête, pour saisir l'occasion de ça.